C'est pour moi, je suis très occupé. Thank you.
Thank you.
rapport à la suite du programme, il y a une toute petite inversion. On a des secrétaires extraordinaires qui nous envoient plein de mails, on leur envoie des programmes. Et finalement, à la dernière minute, on change. On les remercie quand même pour le programme. Il n'y aura pas de changement dans les titres, mais dans l'ordre. On va passer maintenant, on va continuer par Oblivion. Ensuite, Nightclub tiré de l'histoire du tango, Nightclub 1960. Et puis un tango plus traditionnel de Piazzolla, Lo Que Vendra. Et puis ensuite, on passera au tango brésilien, cher Dagoberto. Thank you.
1905, très influencé par la musique européenne. Alors il y a Ernesto Nazaré, compositeur brésilien, chef d'orchestre, qui compose des valses, des mazurkas, des schottisch, et invente le tango brésilien, qui n'a strictement rien à voir avec le tango argentin, avec tout ce côté dramatique et triste et puissant. Nazaré a fait la fête. Il y a du soleil, tout va bien, la vie est belle. Et c'est marrant parce que nous nous chamaillons toujours avec les Argentins, en étant vraiment des grands frères, les Argentins et les Brésiliens, mais on est toujours en train de... Il y a une petite histoire délicieuse qui dit que les Brésiliens adorent quand ils écoutent les tangos argentins, parce qu'ils savent qu'au moins un Argentin souffre. Vous voyez ça? Voilà, bon. Donc, Nazaré faisait le YouTube d'aujourd'hui. Donc, il jouait dans une maison d'édition. Alors, c'est marrant, donc il montrait les partitions, les gens venaient, et ils écoutaient les partitions, ils achetaient ou pas. Et il jouait dans un cinéma qui s'appelait Odéon, avec son orchestre. D'ailleurs, un des tangos
s'appelle Odéon. Et c'est marrant parce que le violoncelle solo de l'orchestre était Villa-Lobos. Voilà, c'était deux grands copains. Thank you.
Thank you.
aussi de cette époque qui s'appelle Valdir de Azevedo. Et le morceau s'appelle Brasileirinho. Brasileirinho. Et après, vous pouvez répondre à toute la famille. Thank you.